Je m'appelle Dylan, je suis en 6e 2 au collège Valdec-Rousseau. Je vais vous raconter l'histoire de mes arrière-grands-parents et de mon grand-père. Mes arrière-grands-parents ont quitté leur pays natal à pied, le Portugal, pour trouver une vie meilleure, car dans leur pays, c'était la misère et la dictature. Ils sont arrivés à la Ricamari dans les années 1920 pour travailler dans les mines. Mon grand-père, Antoine Alves, né en 1933, est un pur ricamandois. Il a débuté sa carrière professionnelle à l'âge de 14 ans au fond de la mine. La Béraudière, maintenant c'est le site Le Géant Casino. Il travaillait à 700 mètres sous terre avec les chevaux. Il chargeait en moyenne 20 tonnes de charbon par jour à la force de ses bras. Les conditions de travail étaient très pénibles. Maintenant, il approche les 80 ans et il est en pleine forme. Malheureusement, ce ne fut pas le cas de tous les mineurs qui mouraient de la silicose, infection des poumons due à la poussière du charbon et de la pierre.